Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener une nouvelle fois avec moi sur un show de catch. Aujourd'hui, j'ai un show de catch. Et donc, je voulais te partager ça avec moi. Aujourd'hui, je vais aller catcher à la FML. Donc, c'est une fédération dans laquelle je n'ai jamais catché. Donc, aujourd'hui, je vais faire mes débuts dans cette fédération. Et comme match, j'ai un match handicap 1 contre 2. Donc, je serai moi tout seul contre deux gars. Donc, ça s'annonce intéressant. Et avant de venir me chercher, parce que oui, on va se rendre sur ce... On vient me chercher. Je vais me rendre là-bas avec d'autres amis lutteurs de là où je m'entraîne, donc ça va être vraiment cool. Je vais d'abord te présenter le déjeuner, ce que je mange ce matin. J'ai déjà très faim parce que c'est un déjeuner que j'apprécie beaucoup. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc on a juste ici du pain à l'ail. Qu'est-ce que j'adore ça, c'est vraiment très bon. Avec du bacon de dinde. Donc c'est pas le bacon traditionnel parce que bah, c'est assez gras et il y a pas mal de sel. Déjà là-dedans, dans le pain à l'ail, c'est pas super clean, mais bon. Bref, là-dedans, donc le bacon de dinde, c'est il y a 50% moins de gras et moins de sel que du bacon traditionnel. Et juste ici, on a les framboises que je mange pas mal souvent, enfin souvent le week-end, j'aime bien manger des framboises. Et juste ici sur la table, deux gélules d'oméga 3 avec le zinc et le magnésium. Et comme boisson, on a ma petite boisson au cranberry que j'aime beaucoup. C'est vraiment bon. Je mange ça comme un âne de Cro-Magnon, mais bon, ce soit tellement bon. Et donc, ouais, j'ai des gars qui vont venir me chercher, comme j'ai dit juste avant. C'est des gars avec qui je m'entraîne actuellement dans la fédération où je m'entraîne. On sera vraiment une équipe, une bonne petite équipe. Déjà, je connaîtrai pas mal de gens à ce show-là, donc ça va être super cool. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Donc, ce que j'aime beaucoup quand on a les shows le dimanche, c'est que généralement, les shows sont assez tôt. Comme aujourd'hui, les shows, c'est à... Officiellement, ça commence à 2h, mais il y a une espèce de pré-show juste avant à 1h30. Donc, grosso modo, le show, il va durer 2h, donc ça finira, allez, on va dire à 4h. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, bah, après, il me reste ma soirée, je vais pouvoir rentrer tranquille et profiter de ma soirée. Donc là, je vais manger tranquillement et on se retrouve juste après. Donc, comme tu peux le voir, je suis en train de préparer mon sac. Et là, j'ai ma gimmick qui est juste ici, donc je vais te montrer rapidement ce que je prends. Quand je vais dans un show de catch, bon, ben, bien évidemment, je vais prendre ma tenue de catch. Donc, tu as ici les bottes qui sont juste ici. Là, tu as mon caleçon, le slip, appelle ça comme tu veux. Juste ici, tu as les manchettes que je mets autour de mes poignets. Et après, tu as ma veste ici. C'est une veste sans manches avec des pics. Je vais t'afficher une photo sur l'écran pour que tu aies une meilleure idée de à quoi ça ressemble. Et aussi, je vais prendre de la nourriture avec moi. Donc ici, on a un shaker avec de la whey isolate au chocolat, une banane, et aussi dans le shaker, il y a les flocons d'avoine, et un sandwich jambon fromage. Et dans mon sac aussi, tu as les genouillères qui sont juste ici. Voilà. T'as la deuxième qui est là. Donc je vais mettre tout ça dans mon sac et après il va être presque l'heure pour moi de partir. C'est toujours important de prévoir à manger quand t'es catcheur et quand tu pars sur un show. Parce que ben, sur les lieux du show, parfois il n'a pas toujours à manger. Ou alors tu dois t'arrêter sur la route et manger de la merde. Du coup, moi j'aime bien de prévoir et de prendre à manger. Surtout mon shaker que je prends tout le temps parce que ça c'est quelque chose que je prends directement après le combat. Une fois que j'ai terminé mon combat, je prends un shaker parce que souvent j'ai faim. Donc là, le shaker avec les flocons d'avoine et la banane, ça fera très bien l'affaire. Donc là, va falloir que je me prépare assez vite parce que sinon je vais être en retard et ça le fait pas vis-à-vis d'un promoteur. Faut vraiment être à l'heure sur le lieu du show.
Ok les gars, comme vous avez pu le voir, c'était une victoire écrasante. Donc là c'est la fin du show, je me suis rhabillé tout ça. Comme tu peux le voir, j'ai encore ma trace sur mon visage. Je pense que ça va pas partir tout de suite. Mais bon, ça c'est juste un détail. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre mon shaker ici que j'ai préparé. Flocons d'avoine, protéines et une banane. Parce que là je commence vraiment à avoir faim. J'ai essayé de te filmer quelques passages quand j'étais dans les vestiaires, mais c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça que je suis venu ici m'isoler, voilà, pour te tenir un petit peu au courant de comment ça s'est passé. Et juste après, donc je vais me rediriger vers chez moi. Donc pour me reposer, parce que là je commence à sentir un petit peu la fatigue, mais ça va, je suis pas si mal, je me sens pas si mal. Donc je vais te dire à tout à l'heure. C'est le lendemain du show et franchement je me sens plutôt bien aujourd'hui, j'ai bien récupéré, j'ai bien dormi et là je viens de me préparer mon petit café matinal et là je m'apprête justement à aller à la salle de sport et aujourd'hui je vais faire un entraînement jambes et j'avais justement envie de te partager ça avec toi aussi aujourd'hui. Et je vais te faire ici maintenant le récapitulatif de l'entraînement. Donc on va faire 4 exercices. On va d'abord commencer par le squat avec la barre cambrée. Ce que j'aime bien avec la barre cambrée, c'est qu'il y a un peu moins de stress sur les épaules et c'est vraiment quelque chose où tu peux. C'est une barre qui t'aide vraiment à plus te concentrer sur la technique. Donc cet exercice-là, je vais le faire avec un banc. Donc je vais mettre un banc derrière moi et quand je vais descendre pour le squat, je vais toucher le banc et après je vais remonter. Et je vais certainement aussi ajouter des chaînes pour vraiment travailler et engager tout ce qui est la sangle abdominale, le gainage, etc. Comme deuxième exercice, je vais faire du squat bulgare, mais avec une plateforme qui est un petit peu inclinée. Et ça, c'est vraiment excellent pour les quadriceps. À chaque fois que je fais ça, j'ai les quadriceps en feu. Et comme troisième exercice, je vais faire du soulevé de terre jambes tendues à la barre. Donc ça, c'est traditionnel. On peut le faire à la barre ou aux haltères, mais après, ça va dépendre de mon humeur. Des fois, je fais aux haltères, des fois, je fais à la barre. Et en dernier exercice, je vais faire le reverse extension. Donc ça va être plus pour travailler le bas du dos, enfin les lombaires et les fessiers. Donc ça, c'est ce qui va constituer ma séance jambes d'aujourd'hui. Je vais finir mon café et on se dit à tout à l'heure pour l'entraînement. Enfin rentré de la salle de sport et oui, comme tu peux le voir, j'ai dû m'asseoir un petit peu sur le canapé parce que ben, cet entraînement jambes était quand même pas mal intense. Même s'il n'y avait pas des grosses charges, c'était pas basé sur vraiment la force ou soulever de grosses charges, mais c'était plus basé sur la technique et l'hypertrophie. Mon objectif, c'était vraiment la congestion. Et il va être maintenant l'heure pour moi de te laisser, donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner.
Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et c'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !